puisqu'il s'agit de notre première mission, je te propose de revoir le fonctionnement des quêtes. Règle numéro 1, atteindre l'objectif pour terminer la quête. Logique, non? Chaque quête présente un objectif. Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagras. Voyons voir la carte. On a croisé des Jagras sur le chemin de la base. Les petits monstres, tu te souviens? Il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté-là. On va y jeter un coup d'œil? Règle numéro 2, utiliser la boîte à fournitures. La commission nous fournit certains objets pour chaque quête. Ils se trouvent dans la boîte à fournitures. Ouvre-la et emporte ce dont tu as besoin. Tout est prêt! Hé, partenaire! Bien. Fais attention. Dégaine ton arme avant d'attaquer. Les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non. Mieux vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets. Tu peux récolter du miel et le mélanger à une potion pour créer une méga potion. J'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte. Par ici! Un groupe de Jagras! Ce sont les monstres qu'on cherche! Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. Récupère autant de matériaux que possible. Tu pourras les utiliser à la forge. Par ici! Utilise tout ce que tu peux. Le marteau est une puissante arme de combat rapprochée qui te permet d'assommer les monstres en les frappant à la tête. Attention, ta vie est en critique. Reste à distance et utilise une potion. Quand ta vie tombe à zéro, tu t'évanouis pour te réveiller au camp le plus proche. La quête échoue si cela arrive trop souvent. Avec un peu d'astuce, tu peux utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres. Bien pour s'en.